무표정 그대로 고정 뭔가 보면 의미 없는 생각도 감정 들은 모아 그대로 유지 통해 버려 발걸음을 돌려 또한 내 여기 서요 나 빼고 모두가 잘 어울려 벌써 조저녁 술집엔 안 들려 다 괜찮아 보여 행복해 보여 나만 어제 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. Let it go, all the boots are like whoa. Ce matin, j'ai travaillé dans mon lit, je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux et tout. Et là, il est déjà 11h, c'est vrai que je suis restée pas mal sur mon ordinateur. On va aller manger, il faut savoir qu'on a aucun rythme. Genre aucun rythme, on mange à n'importe quelle heure. Mais ça me va, on mange quand on a faim. Je pensais vous parler un petit peu plus avant, mais c'est pas grave, on va aller vite fait manger. J'aimerais bien manger un bibimbap, pour ceux qui connaissent. Moi j'adore le bibimbap, c'est trop trop bon. Et du coup c'est une spécialité coréenne, donc c'est le moment de se goinfrer de bibimbap. Et voilà, comme ça on pourra commencer notre journée avec plein d'énergie, parce que là, je suis affamée. Et attendez, vous avez pas vu, c'est la première fois qu'il fait moche. Il fait gris et en fait ce matin il y avait de l'orage et tout, il pleuvait, je me suis dit oulala mais on va pas s'en sortir. Mais le soleil commence à arriver donc ça devrait aller je pense. J'ai oublié de vous montrer ma tenue du jour, j'ai mis un jean tout simple avec mes New Balance que j'adore. D'ailleurs je vous ai pas dit mais je les ai achetées en France sur un site et je les ai payées genre 200 €, elles étaient hyper chères, j'ai vraiment fait un craquage de l'espace. Et j'arrive en Corée, je regarde le premier magasin New Balance qui est juste en bas de chez moi, elles étaient à 100 €, alors je les ai achetés genre 3 jours avant de partir. Le seum, vraiment le seum. J'ai mis un haut un petit peu comme ça, ça fait des années que je l'ai celui-là. Je l'adore avec mon mini sac. Et voilà, prête pour ma journée. T'as vu ça? Ouais, encore des petits cakes. Non mais faut qu'on arrête avec la nourriture, Jérémy. Ça devient très grave. Oh là là, ça a l'air trop bon. Bon, apparemment, il fait trop beau. Ça a changé très vite. Il y a un petit peu la queue mais bon, on se dit que c'est bon signe, on va attendre, ça a l'air trop bon en tout cas. C'est génial parce que on n'a pas besoin de choisir en fait, c'est un bibimbap. C'est vraiment typique pour le coup, là tu peux pas faire ça. C'est tout petit. Oh, je sais pas si vous pouvez entendre mais c'est en train de frémir genre dans mon plat. Ça a l'air dingue. Là je vais pas vous mentir, on est choqués, on a payé 5 € par personne. C'était le meilleur bibimbap de ma vie, le chef était tout seul. Genre il faisait la cuisine, il nettoyait, c'était tout petit. Il était tellement tellement gentil je vous jure. De toute manière à la fin du séjour sur Instagram je vais vous faire un guide. Donc n'hésitez pas à aller checker parce que y a trop d'adresses, trop de trucs. Là c'est juste à côté de la maison, je peux vous assurer qu'on va y retourner un nombre de fois incalculable. C'était excellent et vraiment toute l'expérience était ouf. Donc on est hyper contents. À Paris pour le coup si vous voulez manger quand même de la bonne nourriture coréenne, il y a le restaurant Amo dans le 15e. C'est un tout petit restaurant. Il paye pas de mine, c'est pareil, c'est un vrai coréen qui fait tout avec sa femme et ils sont trop mignons, on y allait très souvent. Genre on faisait carrément mon anniversaire et tout là-bas. Genre mon anniversaire, tout ce que je voulais c'était un bibimbap. Donc voilà, en tout cas on est choqués. C'est ce genre de truc que j'aime dans les vlogs, enfin dans les vlogs, dans les voyages. Je suis pas très truc un peu restaurant de ouf. Je pense que c'est trop bien genre une fois. Je sais pas, aller boire des verres dans des trucs de ouf et tout. De moi-même je vais vraiment jamais vers ce genre de choses. Je vais plutôt vers des petits trucs inconnus, tout petits et mignons et pas très chers. Et c'est souvent les meilleurs. Aussi je voulais vous parler un peu de comment je me sens ici parce que je vous avais dit que c'était très particulier et que vraiment je me sentais hyper bien. Du coup je voulais un peu, d'ailleurs c'est normalement le titre de cette vidéo, vous parler des points positifs, des points négatifs, même s'il y en a très peu. Mais avant je tiens quand même à préciser que je n'habite pas en Corée du Sud. Donc je peux pas vous dire si c'est simple de louer un appart, c'est difficile, c'est ci, c'est ça, parce que j'ai aucune expérience à ce niveau là. Et surtout j'ai bien évidemment l'avis d'une touriste. Donc il y a forcément des choses que je ne sais pas ou que je ne ressens pas. Et ça je pense que c'est important de le préciser, contrairement à la France que je connais très bien étant donné que j'ai vécu en France toute ma vie. Donc forcément il y a une différence quoi. Je voulais préciser au cas où parce que voilà, j'ai pas la vie d'une fille au moins qui est là depuis 1 an ou 2 ans. Non, vraiment je suis là 1 mois. Mais je peux quand même déjà vous dire des choses de ce que je vois. Déjà pour moi le plus important
à aborder. Le truc qui fait que je me sens bien, c'est la sécurité. Ici, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des caméras de surveillance de partout. Mais quand je dis de partout, c'est pas genre juste dans le métro et dans les magasins, c'est de partout, dans toutes les rues. Vraiment, il y en a plein grâce à ça. Et bah c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de vols. J'ai presque envie de dire qu'il y en a pas, mais évidemment, il y a des fous partout. C'est pas un pays qui est à zéro. On peut quand même dire que c'est assez ouf, ce sentiment de sécurité. Il y a personne qui regarde tes affaires, il y a personne qui est agressif avec toi. En tout cas, moi j'ai jamais eu cette expérience là et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi ici pour ça. Et moi c'est un truc qui me fait un bien fou. Vous savez que je suis une traumatisée de la France par rapport à ça. Je trouve que plus le temps passe, plus on se sent pas du tout en sécurité, surtout quand on est une femme, que ce soit dans le métro, dans la rue, n'importe où. Pour moi, on n'est pas du tout en sécurité. Et puis s'il nous arrive quelque chose, et bah malheureusement le système fait que c'est très difficile d'avoir justice pour ce qui nous arrive. Pour moi ça c'est un énorme point positif. Séoul en tout cas c'est réputé pour être une ville où on peut se balader à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle tenue, et personne ne va jamais rien vous dire. Je vais me poser là d'ailleurs. Ça en vrai c'est juste un plaisir, hein, je vais pas vous mentir. Pour moi ça me change la vie, parce qu'en fait j'ai vraiment cette sensation où je n'ai pas besoin de réfléchir. L'autre jour j'avais mon sac grand ouvert avec genre bah du cash dedans parce que j'avais retiré de l'argent, et je prenais le métro comme ça, je pensais même pas. Un moment j'ai dit à Jérémy, putain je sais plus où il est mon téléphone. À Paris j'aurais paniqué direct parce que je me serais dit on me l'a volé. Là pas juste, où genre j'étais en mode moi je sais pas, il doit être quelque part, vas-y on verra. Genre c'était vraiment ça le mood. Je suis jamais comme ça n'importe où. Par exemple quand je suis allée à New York, je me sentais pas non plus hyper bien. Je me sentais mieux qu'en France, mais pas non plus hyper détendue, hyper bien. Mais là vraiment c'est zéro pour moi. C'est-à-dire que je ne me sens jamais stressée de sortir, de me balader, tout ça quoi. Donc c'est vraiment un changement total. Et rien que pour ça je pourrais vivre ici, vraiment juste pour ça. Comme le métro. Le métro c'est genre plus propre que chez moi. Donc ça c'est déjà, c'est pas normal. Et t'as jamais personne qui vient t'embêter dans le métro. Je vous ai raconté dans une précédente vidéo, celle d'hier ou avant-hier, je sais plus, où je me suis retrouvée collée serrée avec un mec dans le métro, mais genre peau contre peau. Et le mec n'a même pas réagi, il était sur son téléphone. Enfin en France c'est crise d'angoisse instantanément. Vraiment je vous le dis, c'est juste pas possible quoi. Et là t'as vraiment pas cette sensation de gens qui te regardent, de mecs forceurs. Après il faut savoir un truc aussi, c'est quand même que les Coréens, en tout cas ici, aiment beaucoup les petites étrangères. Donc ils regardent, mais c'est pas des regards agressifs ou malsains. Je me sens pas en danger on va dire, et je me dis pas que si un mec vient me parler, peut-être que j'oserais pas le recaler parce que j'ai peur de sa réaction. C'est déjà arrivé que des mecs viennent me parler, c'était juste gentil en fait, c'est mignon, c'est pas, voilà, parce qu'on sait qu'il y a des petits défis de qui va pouvoir se mettre avec une étrangère, enfin se mettre, pas vraiment se mettre mais vous avez compris. Mais en fait c'est pas malsain je trouve, en tout cas dans ce que je ressens, comparé à, comme je disais, à Paris. Il y a des toilettes dans le métro, enfin des toilettes hyper propres, il y en a partout, tout est gratuit. En fait c'est un mood où tu sais que les choses vont être respectées. Du coup bah il y a plein de choses qui sont accessibles que nous on n'a plus en France, parce que bah il y a toujours des débordements. Tu mets des toilettes dans le métro, bah on sait ce qui se passe, c'est terrible. C'est ce qui est hyper grave, c'est qu'on sent qu'il y a le respect en fait, et que du coup bah ça change beaucoup de choses. Les gens font la queue, sont hyper calmes, enfin ça c'est aussi une culture différente, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que pour moi c'est des choses qui m'apaisent. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on peut pas fumer dans la rue librement. Alors les fumeurs en PLS, mais c'est hyper agréable de voir qu'il y a des coins faits pour fumer. Tu peux fumer mais à certains endroits. C'est hyper agréable pour les gens qui fument pas comme moi par exemple, de pas sentir, genre ça peut être un détail. Je trouve que c'est archi respectueux parce qu'au final, enfin je fume pas, j'ai pas envie de respirer de la fumée, enfin c'est logique. Et c'est vrai qu'en France bah tout le monde fume déjà, et en plus tout le monde se prend la fumée. Et ici c'est vrai que c'est trop bien, genre tu ne sens jamais l'odeur de la cigarette. Un truc qui est très très cool aussi, c'est que la vie coûte moins cher qu'en France, en tout cas ce qui concerne tous les restaurants, activités, transports. Encore une fois je peux pas vous parler de loyer etc, mais pour moi ça c'est un énorme changement. Rien que le fait genre là de ce qu'on a mangé, ça nous coûtait que 5 euros, alors que en France on connaît les prix. C'est tellement cool de pouvoir genre bien manger pour pas cher. Après là je suis en train de faire l'éloge de la Corée, en vrai je suis plus en train de vous faire une liste de tout ce que j'adore. Évidemment qu'il y a des choses bien plus positives en France à plein de niveaux. Par exemple je sais qu'ici quand vous travaillez vraiment dans une entreprise en Corée du Sud, vous avez 2 semaines de congé par an, ce qui est peu, très très peu d'ailleurs. Bah c'est un des soucis du pays, malheureusement il y a beaucoup de etc. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Ben voilà, moi c'est pas des choses que je connais à la perfection, donc je voudrais pas dire de bêtises. Mais je sais que c'est quelque chose qui est de très compliqué ici, donc c'est quelque chose à prendre en compte si jamais vous voulez peut-être vivre sur le long terme. En tout cas il faudrait bien se renseigner à ce niveau là. Autre chose, ah d'ailleurs attendez, je vais te dire un truc sur les restaurants. Un truc génial, c'est un détail, hein. Quand tu commandes à manger, en fait quand ils te ramènent tes plats, tu as directement l'addition et ensuite tu vas payer au comptoir. Mais c'est génial parce qu'en France tu demandes l'addition, t'attends 150 ans, il a oublié, après il a plus le truc de la carte. Et
ci et ça. Et du coup tu galères, ça prend 10 ans. Et genre là juste c'est hyper fluide, genre je trouve que c'est un pays où tout est fluide, tu peux tout faire, tout demander, c'est hyper rapide. Et je trouve que ça c'est trop positif. Et même d'ailleurs je dis ça mais les 3/4 du temps tu payes carrément quand tu commandes, donc c'est trop bien. Où est-ce que je suis là? Je me balade, je suis perdue. Un point qui est pour moi aussi non négligeable, c'est le système de santé. Alors en étant une étrangère, pour ceux qui ont vu ma vidéo de dimanche, c'est hyper simple. Tu te pointes n'importe où, sans rendez-vous, chez l'ORL, chez le dermato, chez qui tu veux. Tu payes beaucoup moins cher qu'en France. Alors effectivement, nous on peut clairement pas se plaindre en France en termes de système médical, même s'il y a quand même des choses qui malheureusement sont pas très à jour. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça génial et j'ai vraiment pas payé cher. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo. Et en fait, je trouve que ça rejoint tout le mood d'ici, c'est que tout est fluide en fait, tout est simple. T'as besoin de quelque chose, tu l'as hyper rapidement, hyper facilement, tu galères pas, c'est hyper agréable. Après, comme je vous ai dit, là je suis en train de vous faire l'éloge un peu d'ici. Honnêtement, là je vous ai fait une liste un peu parce que je voulais le faire pour la vidéo. Mais si je devais retenir un point et que je préfère, clairement, je peux le dire, je préfère ici, c'est la sécurité. Voilà, c'est le seul truc, évidemment que j'adore la France, évidemment que c'est mon pays, mais c'est vraiment genre une des raisons qui pourrait faire que je pourrais vivre ici, c'est la sécurité. Je me sens tellement bien, genre je sais que je suis 10 fois moins stressée que quand en normal. Genre là je me balade dans la rue, je vlog, personne ne me regarde, tout le monde s'en fout, il n'y a pas un mec qui vient me faire chier. C'est juste la, pour moi la seule chose limite dont j'ai envie de vous parler. Évidemment qu'il y a des points positifs, je peux vous dire restaurant, il y a ci, il y a ça, mais comme on pourrait en trouver aussi dans n'importe quel pays, c'est juste des différences. Pour moi en tout cas le gros point c'est la sécurité, c'est le point à retenir. Encore une fois je le répète, je dis pas ça pour me justifier mais parce que je voudrais jamais offenser quelqu'un, que ce soit un coréen ou un français. Je donne ma position en tant que touriste, que d'étrangère qui est là pour un mois, et voilà, c'est un peu mes premières impressions on va dire. Mais en tout cas j'aime un peu trop la Corée quoi, c'est très grave. Bon, je voulais trop qu'on vienne dans ce quartier. Je pense que c'est mon quartier préféré de Séoul. C'est Ikseong-dong, je sais jamais le dire. Et le premier jour où j'y est arrivé, je lui ai dit il faut qu'on aille là absolument, il faut que je te montre ça. Et donc c'est un tout petit quartier trop mignon avec plein de restaurants, petites boutiques. On va aller manger un truc dont je rêvais avant de venir en Corée. Et on l'a trouvé dans ce quartier en plus, donc c'est génial. Comme ça je vous montre et regardez comme c'est trop mignon. C'est que des cafés avec des décos de ouf. Pour le coup j'ai jamais vu ça, enfin ailleurs. C'est que des trucs trop beaux comme ça et ils sont tous différents. Alors il n'y en a pas un qui se ressemble. Là il y a un restaurant français. Pour moi c'est vraiment, si vous venez à Séoul vous devez absolument venir. Non mais c'est trop beau. Il y a plein de petites boutiques comme ça. Et nous on va ici. Regardez ce que vous avez deviné. Mais oui vous avez deviné. Des fluffy pancakes. C'est une petite salle privée, on va se poser là. J'aime trop leurs jus, ils sont trop bons. Hier c'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai qu'ici tous les jus sont trop bons quoi. Je sais pas comment ils font. En fait ils appellent ça des aid. Ouais. ADO, je pense que c'est par rapport à limonade. C'est en fait genre un peu de limonade avec des trucs. Franchement si c'est pas ça j'aimerais trop quoi. Je crois, je en bah, commentaire tu vas te faire ta clé. C'est trop tu t'es inventé une vie là. Non regarder. Mais je te crois, je te crois. Non mais je vais regarder. Ok, moi je regarde les pancakes, regarde ce que tu veux. Ici les fluffy pancakes c'est quelque chose, mais c'est pas la même carte qu'à la dernière fois. En vrai je goûterais bien avec de la banane et du chocolat mais je suis pas sûre. Et voilà nos fluffy pancakes. Et on a pris des camomilles glacées. Ça a l'air trop bon. Ça, oh, c'est tellement gros. Regardez juste. Vous êtes absolument pas prêts. Wow. Vous voyez ce que je veux dire. On va goûter la camomille glacée. Je renverse partout. C'est très bon, c'est très camomille, c'est très bon. Ouais, c'est très camomille. On arrête de dire ça. À chaque fois qu'on mange un truc qui est genre un peu fort, c'est honteux. La chantilly, elle est grave différente de ce qu'on connaît nous en France. C'est genre un truc épais, je sais pas comment je vais le décrire. Elle est moins sucrée. Ouais, ça c'est sûr, c'est moins sucré. Ouais, c'est plus épais, c'est plus consistant. Moi j'aime pas du tout la chantilly normale qu'on a en France. Je déteste la chantilly, je sais pas pourquoi. En fait ça m'écœure un point. J'ai l'impression que j'ai des goûts bizarres. Parce que à chaque fois que je dis, je déteste la mayonnaise, je déteste la chantilly. Parce qu'apparemment c'est genre les deux trucs que les gens adorent. Moi vraiment sur la mayonnaise c'est le pire de tous les aliments possibles. Vraiment juste de boire la mayonnaise, ça me... Ça me donne des haut-le-cœurs, c'est hyper grave. C'est trop romantique comme quartier, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure à Jérémy. Tu dis des dingueries, tu dis pas ça du tout. Mais non mais... Tu dis
pays, ça me donne trop envie d'être en couple. Mais, qui dit ça à son mec? Mais ça me donne envie d'être en couple, ça veut pas dire avec... À part les gens bizarres. Avec quelqu'un d'autre, mais t'es un malade. Dit ça. Bah oui, non mais tu peux pas... avec moi, t'es en couple avec moi, tu peux pas non, dire ça, mais ça me donne envie. Ça me donne envie d'être en couple, ça veut dire que ça me donne envie d'être avec toi. Oui, bah oui, surtout quand tu peux dire moi et comment ça. Parce qu'en fait, ici, il y a plein de couples. C'est-à-dire que t'as tout le temps des couples partout qui tiennent la main. C'est vraiment que des couples, quoi. C'est un truc de ouf. Il y a un mood, genre un peu romantique, surtout dans ce quartier, franchement. Oh, mais c'est trop stylé ici. C'est trop beau. Oh, il y a un petit chat. T'es tout sale, t'as une maison toi? Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de couples, donc ça te met dans un mood romantique. Ça te rajoute un petit truc quoi. J'ai oublié la phrase, ça me donne envie d'être en couple, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais vous avez compris le délire quoi. Pendant ce temps là, pendant que je dis à mon mec que j'ai envie d'être avec lui, voilà ce qu'il me répond. C'est romantique. Pas de bisous. Pas de bisous en public. Ouah, t'es mal, pourquoi tu me fais un bisou alors? C'est interdit. Bah, pourquoi tu me fais un bisou? C'était un semblant de bisou. Je vais faire une vidéo sur ce qui est interdit. Ah oui? Oui. Tu t'y connais? Oui. Et puis comment tu apparais dans cette chaîne YouTube moi? Oh, tu vas pas nous saouler toi? Nous fait sa crise de la trentaine. Oh, y a un chat là. C'est esthétique. Mais non, mais non. La chance, moi aussi je veux. Tu veux pas venir avec nous? Il est trop mignon. Il fait un spectacle devant tout le monde. Tout le monde le regarde, c'est hyper drôle. Mais non, t'es super mignon, je t'adore. Oh là là, Paris. C'est magnifique. La lumière est trop belle. Avant d'aller manger, on va aller au Hanok Village. Moi, je l'ai déjà fait avec Arborian. Je parle d'Arborian dans toutes mes vidéos, on dirait que c'est mes parents. Mais Jérémy voulait absolument le faire et franchement, c'est trop à faire. C'est vraiment les maisons typique à l'ancienne. C'est un quartier qui est ultra protégé. Et là à cette heure-ci avec le coucher de soleil, ça va être trop beau. One eternity later. Update, j'ai fait un mental breakdown. Non, en fait, j'avais prévu une vidéo de ouf pour demain. Et en fait, ça pourra pas se faire finalement. Bref, j'ai même pas envie de vous raconter parce que c'est chiant comme histoire. Donc ça m'a saoulé, en plus je suis en retard sur le montage, ça m'a fatigué. Bref, ça m'a cassé dans le mood, j'étais trop heureuse. Donc je veux, non, ça arrive. Même si on est à Séoul, on a le droit d'avoir des mental breakdown. Tout va bien. Mais ça y est, on l'a eu, on passe à autre chose. Stop, ça sort de la tête. Donc, pour contrer ça, nous allons manger un repas pas très coréen. Ça me fait rire parce qu'en toutes les vidéos, genre je mange une spécialité genre grave coréenne et je mange aussi un truc pas du tout coréen, je mange de tout. On a remarqué et en plus vous m'avez même demandé ça sous des vidéos, j'étais choquée qu'il y avait un Shake Shack à côté de la maison. On en a pas en France, j'en mangeais pas mal à New York. On s'est dit c'est la soirée pour manger un Shake Shack et se réconforter. J'ai mis un sweat parce que je sens que je vais avoir froid et let's go, Shake Shack time. On est à Shake Shack ou on est à Jordiland? Ouais, par contre, ils ont plein de choses. Genre, on est d'accord qu'il n'y a pas ça aux États-Unis. On a pris plein de bêtises. On a pris des burgers classiques avec les frites au cheddar. Vraiment le menu de base, mais trop bon. Et c'est un truc de ouf. Par contre, ici, la musique est tellement forte. Genre, je ne peux littéralement pas vous parler. Dans tous les restos, dans tous les endroits, c'est comme ça. Mais il a pris un double. Je viens d'acheter un truc, j'ai acheté le chat là, je trouve ça trop mignon et ça coûtait genre même pas 5 euros. Voilà, sur un petit marché le soir, très contente. Et voilà, on est rentré. Franchement c'était cool, ça m'a fait du bien de sortir, me balader, de manger un petit truc et voilà, enfin c'était cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour jusqu'à dimanche, ça passe très très vite. J'ai hâte que vous puissiez voir les prochaines, ça va être très cool aussi. J'ai trouvé une vidéo pour demain et elle est vraiment très cool, donc ça devrait aller. Je vais réussir à dormir cette nuit. Activez les notifs pour pas louper les prochaines vidéos, je sors une vidéo par jour du coup à 18h. Et n'hésitez pas aussi à checker mon Insta, c'est en barre d'infos parce que je suis active tous les jours et je vous tiens au courant un peu aussi de mes journées en avance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain à 18h dans un nouveau vlog. Mouah.